Dans le bus scolaire mis à disposition par Coopération Arménie, nous nous rendons dans la région de Lori à la rencontre de la famille Boyardjian, dont le destin familial fut marqué par le séisme de 1988. Sur le trajet, des stigmates du tremblement de terre sont encore présents. Dans cette région montagneuse dont l'altitude varie entre 300 et 3000 mètres, l'agriculture et l'élevage constituent les principales ressources de la population. Spitak, épicentre du tremblement de terre. Deux décennies plus tard, bien que reconstruite, la ville peine à procurer du travail à ses habitants. La famille Boyardjian doit trouver des alternatives pour survivre. C'est par une visite de leur potager que nous les découvrons. Le travail de la terre se pratique en famille. Petits et grands apportent leur contribution. Les fruits et les légumes récoltés sont ensuite conservés dans le cellier. Caniquilo et setari. Karasun. Karasun. Ah, Le potager des Boyardjian mesure environ 200 mètres carrés. Sur cette surface, ils cultivent plusieurs variétés de légumes. Des carottes, des haricots, du chou, des salades, du poivron et des céleris. Ils possèdent également quelques arbres fruitiers, comme des noisetiers, des noyers, des pêchers, des cerisiers, des pommiers et des abricotiers. Grâce à ce potager, au poulailler et à leur technique de conservation, les Boyardjian disposent d'une nourriture de qualité durant toute l'année. Donard insiste pour ne pas utiliser de pesticides afin de favoriser la présence de petits insectes. Les coccinelles permettent d'aérer la terre, ce qui facilite la croissance des racines, tandis que les papillons et les bourdons permettent la pollinisation. En plus du potager que nous venons de visiter, les Boyardjian cultivent le terrain de leurs anciennes maisons, rendues inhabitables par le tremblement de terre, mais où subsistent de nombreux souvenirs. Ah.
Es hin tunë që e, hin garajnë. Hin garajnë, shikë. Hin garajnë, në tunë së raverë. Tunë së raverë, në. Es me hin e kashar të zarashat të seganë. Es e kashar të karangë, vërën të zakëtë. Εν τη εκκλησιαζή, έτσι σαν τον ερή, του σαν μου την ερή, τον ερή, να ντε. Κοίτα τζα. Αιώ, αιώ. Rostom a perdu ses parents durant le séisme. Il nous montre la pièce où les secours l'ont retrouvé, dans son couffin. Il n'avait alors que quelques mois. Il paraît qu'il y avait des rats. Mais ils n'ont pas touché. Mais ils l'ont. Taza kartolov en ane. Es kartofil galavak. Mes petka. We need such potatoes. Not small, not so big. De retour à la maison, Rostom propose de nous montrer comment ils se chauffaient et cuisaient leurs aliments auparavant. Pour ce faire, il utilise de petites bûches d'un type bien particulier. En effet, elles sont formées de bouses de vache qui ont été compactées en petits cubes et séchées durant 6 mois. Ah, per farsën kom me skarneli. Ja, plus avat. Të tapnieni, më zë farsën kom, ne, prostë me çpançka. Avec l'arrivée du gaz ménager, cette technique n'est pratiquement plus utilisée. Elle possédait néanmoins de nombreux avantages. Une combustion lente, qui permettait de chauffer une pièce durablement, une saveur particulière qui se glisse dans les aliments, un coût très attractif puisque les vaches ne vendent pas leur bouse. Avant de préparer le harissa, Donard nous a raconté qu'après le séisme, durant près d'un an, il n'y avait pratiquement plus d'aliments disponibles. Ils ne purent se nourrir que de poules et de blé. Ainsi, le harissa représente bien plus qu'une recette. Il s'agit d'une période de vie, d'un moyen de survie. Je suis venu à la maison.
Elle est là-bas, Rachel. Tati qui s'allait, maman s'allait, lui et ses manes, manes tâtes. Pisso, Kéroche, Zoukat. You are born on Tuesday.